Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette petite vidéo de transition sur Kingdom Hearts, donc un jeu qui est pas tout récent, que j'ai ramené assez récemment là, et j'ai pu réessayer un petit peu mes anciennes parties, et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de ce jeu là. Juste pour tester en fait, pour tout vous dire, j'ai fait l'acquisition assez récemment d'un nouveau PC, une belle petite bête. Et j'avais envie de me mettre à continuer la solution que j'avais débuté de Final Fantasy X. Mais l'histoire de tout configurer, machin, j'avais commencé à essayer de faire des tests. Et le jeu qui était dans la console était ce Kingdom Hearts là, puisque j'y ai joué assez récemment. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur faire une petite vidéo de Kingdom Hearts. Ça fait pas de mal, ça change un peu, puis moi ça va me faire plaisir d'y jouer. Bon, par contre, je vous promets rien, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. On va lancer. Ce que je compte faire là pour cette vidéo là, c'est essayer de combattre Zephyros. Donc Zephyros qui est un personnage de Final Fantasy VII, le grand méchant de Final Fantasy VII. Et je me suis dit que ce serait sympathique. Alors hop. De le combattre, puisque dans ce jeu là il est possible de le battre, et ça doit être d'ailleurs l'un des boss le plus difficile du jeu. Hop là, donc on va y aller. Alors, c'est que ça date, ça rappelle vraiment énormément de souvenirs. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti ce jeu, mais après Final Fantasy X, ça c'est sûr. C'était peut-être vers 2004-2005, mais je vais dire une connerie. Peut-être qu'il y a la... Oula. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait la date sur la boîte du jeu. Enfin bref, bon. Peu importe, donc là faut aller au Colisée, donc c'est le monde un peu de Hercule. Puisque ceux qui connaissent pas Kingdom Hearts, on va en fait parcourir tous les mondes, enfin un certain nombre de mondes de Disney, dans lesquels on va évoluer donc tout au long de l'histoire. Et en l'occurrence, donc il y a le monde d'Hercule. Enfin le monde entre guillemets, hein, parce qu'il y a... il est pas bien grand comparé aux autres mondes. C'est juste le Colisée en fait. Mais c'est ici qu'on va pouvoir affronter Zephyros. Alors allons-y. On va voir ce que ça donne. Alors c'était... Match d'or il me semble. Match de platine, ça devait être le... Comment on appelle ça d'ailleurs? Ah, le titan de glace, voilà. Bon, par contre ça va être, ouais, ça va être très 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 tendu. Hein. Je me souviens qu'il était extrêmement fort. Oh là là. En parlant du titan de glace, ok, bon, bah j'ai lancé absolument le mauvais combat. Non, bah. Si, oui, c'est ça, pas mal. Parce que lui, il est assez long. Hein. Et on peut pas le battre en y allant à la bois. Donc, oui, c'est bizarre. Alors, oui, non, donc ça doit être le match de platine. Ouais. Hop là, d'un coup, il arrive. Hop là, et oui, alors là, on combat tout seul. Hein. C'est pareil que pour le titan de glace, là, on voyait que j'étais seul. Parce qu'en principe dans les autres combats, dans le Colisée, on est toujours accompagné, ou enfin on peut choisir de notre palette, mais... Ah, le voilà, et attention, One Wing Angel, donc la musique du boss final quand il est en dernière forme. Et alors là... je vais prendre extrêmement cher. C'est bon. Le truc c'est que, si je me protège, j'ai remarqué ça. Allez, hop! Ah merde! Voilà. Alors, ça c'est extrêmement pénible comme attaque. Attention! Hop! Je me protège, voilà. J'arrive à contrer son coup, mais je peux pas le taper en plein, donc ça sert à rien finalement. Voilà, je vais juste me soigner. Laisse-moi me soigner. Non. On va pas y aller tout de suite. Et dites-vous que je lui ai donné quand même quelques coups, hein. Mais regardez, sa barre de vie n'a toujours pas bougé. Donc il a vraiment plus de vie que... Il y a certains boss comme ça qu'on leur dit qu'ils baissent pas. Ah voilà, oui, c'est ça qu'il faut faire en fait. Faudrait attaquer et contrer leur coup, enfin son coup, en attaquant en fait. Donc bon... Voilà, c'est ça. Ah, il se recule à chaque fois, non, il est vraiment pas évident comme boss. Non, c'était une mauvaise idée. Par contre... Ouais, si oui, c'est ça. On va faire des trucs, voilà. Ah, et ça y est, on commence à voir un peu de sa barre de vie. Dites-vous que ouais, j'avais fait tester à un copain ce combat-là, qui connaissait absolument pas le jeu, et il avait réussi à le vaincre.
un truc de fou, ça paraît un peu hallucinant. Sachant que là, je risque d'avoir beaucoup de mal, alors j'ai déjà joué pas mal au jeu, et j'ai déjà battu. Oula. C'est comment ça. Alors ça c'était peut-être pas une bonne idée. Il avait réussi à le battre, oui, et il avait jamais fait son attaque. Généralement il a une attaque extrêmement difficile à éviter, c'est qu'il commence à dire meurt en shanker et il vide tous nos HP. Il nous laisse. Il nous vide tous nos MP et il nous laisse uniquement nos 1 HP. Donc on peut pas soigner et après ils font sur nous quoi. Donc, en gros si on se soigne pas avec un objet, on est foutu quoi. Ou alors on évite ses coups mais. À mon avis, ça va pas être possible de le faire sans prendre de dégâts. Ah. Ça suffit. Oula. Je sais pas si. Ah. Voilà, c'est cette attaque là qu'il faut absolument éviter. Alors là il commence un peu à aller n'importe où. Alors faut surtout que je le garde à l'œil. Parce que si je téléporte et qu'il dit meurt en shanker, vous avez bien compris, hein, je suis foutu. Voilà, vite. Oups, alors là c'était vraiment limite. Hein. À mon avis, ça devait se jouer à la milliseconde près. Ouf. Mais ils ont réussi à le faire vraiment classe, hein, pour le coup. Hop, on va passer bon, tranquille. Ça c'est pas bon ça. Ah, les petits bruits qu'il fait. Non. Ah. Oh non, non, non. Non. Bon, bah, j'ai pas réussi. Au moins vous auriez vu un petit peu à quoi ressemble ce boss là. J'ai quand même envie de me le retenter. Mais il faudrait en fait que j'arrive à. Que je mette peut-être un objet voilà ici. S'il y a des trucs voilà méga exir. Non, un exir simple ça suffirait. Du groupe. Parfait, j'ai pas d'exir, c'est bizarre ça. Ouais bon. Ça fera l'affaire. Hein. Hop là donc on va essayer de tenter comme ça. Bon je retente juste, hein, juste une petite fois. Parce que ce serait quand même sympathique que j'arrive à le battre. Alors on n'arrive pas à voir en fait avec ce curseur, on a toujours l'impression qu'il est Ouais non je sais pas. Bon c'est moi qui ai un problème. Allez alors là cette fois-ci. Mais c'est pas évident hein, ce jeu là il était pas. En plus ouais c'est le premier, les contrôles sont. Enfin le gameplay est un peu. Un peu comment dire ça. Arf, c'est je perds mes mots. Un peu rigide voilà. Je trouve beaucoup plus rigide que dans le 2. Le 2 on se balade vraiment librement. Voilà, alors ça c'est bien. Non, ça... Ah. Non. Ah mais c'est pas possible. Bon, on va commencer à un peu dire parce que... Oh, sa barre de vie est toujours pas diminuée. Ah. On a une allonge beaucoup trop courte. Ça c'est bien ça. Oh, non, je... Oui j'étais en train de me dire que peut-être que ça marcherait de faire des roulades. Enfin, je vais quand même me soigner. Oula. Des roulades près de lui. Ouais c'est ça oui parce qu'on passe sous son épée. Donc on. C'est... Oula. Ça nous permet de nous rapprocher tout en. Oula, oula, oula. Et par contre, je vais être un peu limite au niveau de. Ouais. De toute façon, j'ai fini le jeu à 100%, les objets ne servent vraiment plus à rien, si ce n'est ça. Hop, allez, je vais presque vider une barre. Ah, on va recommencer. Par contre ça bouffe énormément de points de magie ça. Sinon ce sera un peu facile.
Ah, ça y est. Ouf, non. Mais non, j'étais en haut là. Oh là là, c'est pas possible. J'abandonne. Bon allez, jamais 203. Et là, faut vraiment que j'arrive à l'avoir. Parce que sa dernière attaque, je me souviens, elle était vraiment stylée. Il faisait... Il parlait de la Terre promise d'ailleurs, il me semble bien. Si mes souvenirs sont bons, putain, ça date. Hein. Par contre, j'ai plus mon éther, hein, pour le coup. Ouais, puis d'ailleurs, plutôt que d'avoir des potions qui servent absolument à rien. Non. On pourrait les jeter, mais on va se contenter de les ranger. Donc ce serait bien d'avoir plusieurs éther plutôt que des potions. Hop là. Oula. Ah bon, j'ai à ce point-là autant de potions là. Ah oui. Ok, bon, peu importe. Bon, on va l'acheter. Ok, je croyais qu'on pouvait pas jeter l'objet. Il m'a fait peur. Puis on va prendre un mille exir. Oh, non. Je m'y perds un peu. C'est bon, on y est, voilà. Et là on est good, c'est parti. Allez, il faut que j'arrive. Là. Ah, j'avais dû avoir pas mal de mal, je pense. Pour le battre la première fois. Il est pas évident. Surtout cette attaque là. Ouais, on va pas perdre de temps. Hein. Non, ah non. Alors là j'ai vraiment perdu 2 barres de. Ah c'est 3 barres de disco bo. Hop là. Non, ça c'est pas bon. On va continuer. Okay. Non. Oui c'est bon. Ça lui fait un enchaînement. Ouais, ça c'est un deuxième enchaînement. Non. Bon, on va continuer. Désolé ces petits joueurs. Mais... Non, je sais pas, je rate le jugement. Non, c'est pas bon. Ça par contre ça serait pas mal. Oh, bah, j'arrive. Alors ça, j'ai du bol pour le coup. Hey, je crois que c'est la première fois que je lui enlève autant de vie. Ça suffit. J'ai pas qu'on arrive. Ça suffit. Non. Mais ah, j'arrive jamais à la kill. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, je crois que je lui ai jamais enlevé en tournée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas sa barre verte déjà. Ah. Ça suffit. Oh mais... Non, alors ça, c'est mauvais pour moi, ça. Ouf. Ah, ça y est. Putain, mais c'est bizarre, ouais, c'est... Qui dit qu'il le décolle. Allez, un enchaînement. Non. Non, mais non. Alors ça, c'est pas possible. Ça m'énerve, ouais en fait il faudrait lancer l'objet au moment où, comment on appelle ça, juste avant qu'on perde tous nos points de vie et tous nos points de mana. Ça doit marcher, mais là effectivement vu que j'ai tout perdu, il m'a annulé le menu et j'ai pas eu le temps de lancer quoi, ça s'est fait à quelques secondes. Ouais alors je dis jamais 203, j'ai vraiment envie de le vaincre. Ce qu'on va dire c'est qu'on va se limiter à 5, là ça va être l'avant-dernière tentative. Puis après vraiment j'arrête. De toute façon c'est juste censé être un test. Alors allons-y, oui je connais les règles depuis le temps. Match de platine. Cette fois-ci c'est la bonne. Je le sens bien. 4. Ouais, la quatrième fois. De toute façon maintenant si je vois qu'il est vraiment trop loin.
Faut que j'ai ce réflexe là. Je me demande si on peut. Si on peut. Alors attendez. Ouais, voilà, faut que je lock. Ce serait mieux. Alors, je me demande si on peut. Parce qu'en fait, on peut binder des magies avec L1. Ça nous permet d'y accéder plus rapidement. On n'a pas besoin de se balader dans les menus. Je me demande si c'est pareil. Si y a moyen de faire pareil avec les. Ah, ça y est. Ah, j'ai enfin réussi un Akion. En fait, c'est un peu plus rapide. Oui, bah, parce que regardez, avec L1, j'ai des raccourcis directement. Ce qui n'est pas le cas des objets, et c'est vrai que c'est un peu laborieux quand faut se balader dans les menus pour. Surtout là qu'on est extrêmement pressé et stressé. Il faut se dépêcher. Bon, bah, je continue. Ah non! J'ai raté! Non, c'est pas grave, ça m'a permis. Non, mais il est plus sensible, si c'est bon. Ah non, j'étais mauvais là. Alors donc là il a. Ouais, ouais, tu vois, la dernière fois j'avais quand même. Non. Alors ça, c'est mauvais, je suis mort. Alors ça, mais. Oh là là, alors là, c'était juste pitoyable. Il était à côté de moi. Ah, j'ai pas été assez attentif là. Bon, ouais, bon. De toute façon, ouais, quand je dis qu'il y a 5 essais, c'est forcément que le dernier. Ouais, enfin bref. On va voir, bon, les derniers. Et là, promis. J'essaye de le vaincre. Et puis là, ce sera. Ouais. Il faut absolument que j'y arrive. En plus, la troisième fois, là, j'étais pas mal. Hein. À mon avis, je devais pas être loin. Parce qu'il me semble que c'était déjà sa barre verte. Ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment son attaque où il fait tourner des rochers. Hein. Parce qu'il avait la classe. Bon, on va pas perdre de temps, hein, comme d'hab. Ah, mais s'il esquive tous mes trucs. C'est l'esquivement, effectivement. Ah là, j'ai eu chaud, à mon avis. Attends, avec tout ce que je lui ai mis, il est toujours pas perdu. Enfin, sa barre n'a toujours pas les sons. Attends, c'est pas possible. Ah, si, c'est ça. Ah, il a pu m'arrêter dans un. Ah. Non. Ah, donc on peut vraiment pas l'arrêter là. Non. Bon, j'ai été mauvais. Ah là, ça m'énerve, à chaque fois j'arrive pas à évaluer si j'aurai le temps ou pas. Et si j'utilise à chaque fois un méga exir. Ça le fait moyen quoi. Bon, enfin bref, bon, bah, comme ça au moins vous aurez vu un peu à quoi ressemble le jeu si vous l'avez jamais eu. Voilà, ouais, bon. C'est juste un petit test. Voilà, voilà. Bon, bah à bientôt donc et à très bientôt, oui, puisque là je vais m'apprêter à tourner la solution de Final Fantasy X. Bon, bah à plus tard alors. Et bonne soirée. Allez, salut!